Si proverbe créole l'a dit, les bab kambagadou prendi fait mettez paula à la trempe. Ça qui a passé dans le pays aux États-Unis dans moment là, personne pas ta kwel. Parce que c'est dans le pays d'Haïti où qu'on entend des manifestants envahir chambre Sénat. Journée jodi ya, ça t'a dit, c'est qu'on ça pays États-Unis t'a gagné tout déblosa ici là ça. Comme nous connaissons depuis iné on t'a supposé bail résultat officiel présidentiel là, eh bien jusqu'à présent le poko jam ka bay. Déblosa pété, fanatique champion, yo entré en dedans, en pile gros gros désordre a fait en dedans Washington pour moment. Ça crivé, donc tout sénateur qui était là, tout monde qui était là pour t'organiser congrès, yo obligé fermer porte courir en façon pour manifestants yon pas envahi yon côté yon. Est-ce qu'on t'a donc causé? Donc, pas barisit, nous songe, histoire qui te passe, les tirasta, te rentré en dedans, chambre sénat. Li te monté sous l'hôtel, la fait gros déclaration. Et bien, aux États-Unis, gardez-le nous, c'est même bagay la kap passe journée jodi ya. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pas de prendre bagay la négatif seulement. C'est vrai que ça passe journée jodi ya. Et ceci, c'est pas n'importe qui pays. Première puissance mondiale, pour un désordre, pour un brigandaille, a passé comme ça, pour fanatique, yon président, entrer à faire tout scandale ça yo. Et l'autre pays yo, qui ça yo a dit face avec situation ça? En ce sens, en pile moun a parlé, en pile moun a critiqué ça qui a passé dans le moment, puisque image là vraiment l'aide de déblosay ça qui a passé. Juste avant nous porter plus de détails pour de ça qui a passé, on commence avec nouvelle nationale, parce que li important pour qu'on ait qui ça réservé pour nous jouer cap vinyo là, dans le pays où, parce que où c'est haïtien. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui passait, t'es gagné un entretien entre chancelier haïtien avec secrétaire général Organisation des États américains OEA. Docteur Claude Joseph avec Luis Almagro. Ils ont discuté autour de chantier qui est pour fête dans le pays d'Haïti dans l'année 2021 là. Eh bien, c'est élection avec réforme constitution. Ça, c'était lui-même qui était base conversation en deux autorités. Ministre haïtien, affaires étrangères et culture, t'es là tout. Et secrétaire général organisation États-Unis, Luis Leonardo Almagro Lemes, lui te vle informer des avancements processus électoral là pour Haïti. Donc, c'était un plaisir pour te informer Dr. Claude Joseph qui est secrétaire général OEA et yo te échangé yo en pile autour de réforme constitution. Chancelier haïtien te précisé calendrier électoral là qui pral publier nan jou kap vini yo là conseil électoral provisoire pour yo capable renouveler personnel politique pays. Selon Dr. Claude Joseph, élection a organisé dans l'année 2021 là pour que président Jovenel Moïse capable remplacer par un autre président qui élu 7 février 2022. Gouvernement lui-même lui posé ses sous élection et non seulement ça tout chantier administration Moïse pour 2021 selon docteur Claude Joseph. Réforme constitution a fait en vain. Yo gen pou yo passer men nan constitution jan sa te annoncé et puis après ça pour élection capable fait nouvelle constitution ça ap gen pou abouti premier trimestre mois ça veut dire sorti janvier pour arriver mois de mars constitution nouvelle constitution ap gen tan sorti pour ça secrétaire général OEA tout li promet support technique li face avec processus électoral dans pays d'Haïti dans jou kap vini yo la comme nous connaît président est déjà annoncé que trois grands chantiers yo c'est élection réforme constitution avec énergie électrique. Matin la mesdames mademoiselles et messieurs nan yon maquette qui nan Thomas 25 gen un gros lobey qui t'est pété. Et bien ça qui passait gen quelques volets depuis bien longtemps, qui semblait t'ap suivre comment maquette là a déroulé. Eh bien, journée jodi a même, yo te décidé entrer en dedans maquette là sous prétexte faut qu'yo aller ensemble avec coffre fort maquette là.
Nous connaissons que le coffre fort côté de l'argent, c'est pour un bagage qui compte tellement sous moun. Et ceci pour qu'on côté lié, c'est pour un bagage qui facile si moun n'a pas taba ou contrôle depuis très très longtemps ou bien si pas gagne un moun qui dans market là qui a bail volé sa yo information. Eh bien, bien compté, mal calculé ça qui passait. Nèg yo rentre, c'est vrai, pour faire tentative pour lever coffre fort market là pour y aller avec, ça veut dire là ouais c'est parti volé. Eh bien, ça qui passait. Mettre maquette là, ou qu'on les maquette là toujours gen caméra. Et ceci déo à tout, yo toujours gen radio de communication pour communiquer entre yo. Les voleurs ont entré fait tentative, bon chance pour mettre maquette là et sécurité vraiment active. Eh bien, cartouche pété en dedans maquette là. Sécurité yo arrivé tuer yo nan voleur yo. Et non seulement ça tout, l'autre voleur qui était vini yo, plusieurs nan yo joine arrestation. Yo. Et puis tout femme dit nous gen yon commissariat qui tout prêt à tout. La police te vin débarquer bien que ou te rive en retard. Mais grâce à Dieu, yo pa getan leve ni coffre fo market la, mais yo getan touye youn nan bandi yo et mette plusieurs lotes en bacode. Mesdames, mademoiselles et messieurs, kounye la n'ap fè place ensemble avec Voix de l'Amérique pour es information nationale et internationale yo. Comme nous connaissons pour le moment, crise la vraiment a frappé pays États-Unis. Nous espérons n'ap jwenn toute information yo et n'ap tourné talé comme ça. Manifestants yo pito entré en da building nan, garde nationale déployé dans toute Washington DC et président Donald Trump dit jamais il pas accepter que le perdu élection et puis tout événement ça a déroulé 24 heures après que élection sénatoriale a déroulé dans Georgia et déjà gagné un paquet démocrate fait dans direction contrôle Sénat. Donc situation était très compliquée ici dans Washington DC, moi été fond descendre dans Washington DC, te fond al bon congrès, mais là ça ba été un petit gens calme, te wè partisan et président Donald Trump qui tape et fait un pile mouvement, mais après ça t'a pas gâté parce que à 1h selon tout ça qui dit dans loi pays à 1h 6 janvier avant que président prêtait serment en date 20 janvier. Eh bien, congrès a gagné normalement pour le réunir pour recompter ou bien certifier votre collège électoral. Et c'est dans ce moment ça tout que eh bien, un paquet de partisans président Donald Trump nous dit partisans président Donald Trump parce que il y a gagné pancarte, il y a gagné drapeau, il y a gagné banderole tant que nous capable là qui marque Trump 2020 et il y a tout te dit que et dans monde que nous parlons avec eux dans interview que nous fait il dit que pouvoir voulait passer dans mauvais mains et il a parlé de mauvais mains, il dit il a parlé de Joe Biden avec Kamala Harris. Nous connaît que le 14 décembre collège électoral là lui-même té bail la victoire à Joe Biden, ancien vice-président Joe Biden avec sénatrice Kamala Harris. Donc et ça qui arrivé premièrement on dit que garde nationale là déployé dans toute Washington DC. Et l'heure où tant de garde nationale déployé, ça veut dire que situation compliquée. Gampil analyse qu'a fait qui dit que c'est une mauvaise image pour la démocratie américaine. Non? Et par exemple, nous avons les médias américains ont posté un manifestant qui chita sous chaise côté Mike Pence et te doué chita pendant session. Ils ont entré dans le bureau Speaker of the House en parlant de président Chambre députée. En parlant de Nancy Pelosi. Donc, voilà la situation qui vient compliquer. Il est obligé rapidement évacuer Mike Pence. Et nous connaissons Mounsa Ogen, sécurité spéciale, parce que c'est numéro 2 et numéro 3 aux États-Unis. Mike Pence, numéro 2, et le Speaker of the House, président Chambre des députés, en parlant de Nancy Pelosi, lui-même, c'est troisième personnage. Donc, Mounsa Ogen a été évacué. Et devant la situation, ça, il a été obligé, et Congrès, en parlant de Capitol Hill là, ça qui t'a parlement, eh ben moun pas sorti, moun pas entré. Et il y a plusieurs buildings dans Washington DC côté que moun pas entré, moun pas sorti. Et dernière décision c'est que magistrat d'ici en parlant de Bowser, il décidé que a gè couvre-feu sous Washington DC, couvre-feu côté que depuis 6h du soir jusqu'à 6h du matin. Et là, pour une image là, avec un pile drapeau, moun yo entré, yo entré, et gagné
en pile et congressman ou bien sénateur ou bien député qui est obligé courir avec eux parce que gon paquet dispositif en dans congrès et en batte pour évacuer rapidement gros personnalité ça en parlant de vice-président Mike Pence. Et avant ça t'es un président pays Donald Trump qui t'est parlé et il te prend la parole, il dit que lui-même il pas jamais concédé, il avait dit pas jamais d'accord que le perdu pouvoir, il dit jamais jamais. Et il t'a voué un tweet pendant les semaines qui sont passées là. Et dans le tweet là, il t'a dit rendez-vous 6 janvier 2021. Et n'a pas rappelé pour téléspectateurs, pour les amis qui ont écouté nous, 6 janvier, c'est une date qui allait avec provision constitutionnelle. 6 janvier, et ceci à 1h, et à 1h, effectivement, 1h tapant, où est que session t'a pas commencé. Et session t'a commencé, c'est là où il vient Arizona, et puis bah, il a commencé à gâter côté que deux chambres et elle fait débat sous et objection ça, et réserve ça, et anglais dit objection, et que yote gagne sous Arizona, et nan moment ça, bagalate vin gâte. Nous gagne avec nous, et Fernando, et professeur Fernando Estimé, qui c'est présentateur vedette, show qui pote non nan, Fernando Live. Et Jodial, pas mande étoile, mais parce que lui-même déjà son étoile, c'est un monde qui gagne pile expérience et cap suivre. Fernando Estimé, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir, monsieur Bélizer. Moi, salue tout auditeur et cap coûté là. Alors, dis mon live, donc, moi, salue téléspectateurs et tout. Merci, Fernando. Et gagne pile monde qui a fait un pile analyse sur ça qui a privé Washington DC. C'est un bagage que monde pas pensé. Il y a un monde même dans rêve ou pas imaginé. Ça t'es qu'à fait, ou même en tant qu'analyste politique, qui gens ou vivent moment ça? C'est triste, tout simplement. Son seul mot, c'est une tristesse. M'ba kwe ge oken l'autre jour ka mette li. Et États-Unis, probablement tout le monde met nan tête yo, te quitte stade ça déjà. C'est-à-dire, y a une image, même sou elle yo pa met ton pays sous li, ou pa mette pays sous li, mais ou pa tap mette États-Unis sous li. C'est-à-dire, c'est pas ça que t'as premier vide dans tes tours. Faut arriver vraiment après tout ce rappel de pays et qui dans les Nations Unies, vous arrivez dans les États-Unis, non, image ça, c'est triste pour la démocratie américaine, non? Alors, pas oublier, États-Unis toujours, alors, leader américain surtout, toujours représenter les États-Unis comme la plus grande démocratie du monde. Alors, les autres plus grandes là, et dans tête pas eux, donc c'est ça qui est ancien toujours là, sans pas jamais une rupture qui fait là. Bien que vous présentez l'Inde comme la plus grande. Même si anglais ou capable de poser question sur ça, même si indien ou tous les ou dit pigred là ou capable présenter tête comme pigred parce que y a plus monde qui États-Unis, mais généralement quelconque les leaders américains ont parlé, yo du États-Unis c'est berceau démocratie bien sous la terre, c'est plus gros démocratie qui a fonctionné sous la terre et image qui a passé là yo pas fait honneur à pays a et à monde qui a fait politique dans pays a, parce que c'est important pour nous dire comme ça et violence qui gagne yo violence yo pratiquement dépassé entendement. C'est-à-dire, l'autre, il me saute garde une photo là, on est qui chita dans le bureau Nancy Pelosi, par exemple, et puis il met Nancy Pelosi, il était tout ouvert devant monsieur, monsieur font une photo. Alors, ou même, ou qu'on est allé dans le congrès, même j'avais avec moi, ou qu'on est que ni moi ni vous, nous pas qu'à entrer dans le bureau, côté Speaker of the House là, hier, parce que gain security detail, gain un paquet de condimonio, et laisser passer pour grand vent pour y venir dans le bureau. Côté Speaker of the House là, alors à fois ça c'est Nancy Pelosi, mais bureau Speaker of the House là, c'est un bureau qui est extrêmement bien protégé, mais là et on est bien doit entrer, la garder des dossiers et nous comprendre la situation, il y a un dossier là d'ailleurs que c'est dossier secret. Professeur Estimefan dit que dans le moment on a parlé là, gagné président élu à Joe Biden qui a parlé de en plus direct, dans Wilmington Delaware. Oui, la parlé là Konya là. Et malheureusement, pas capable d'entendre ça l'a dit, mais l'a parlé de situation, ça a développé de violence qui gagne dans le Capitole. C'est grave. En fait, moi, je suis pratiquement un peu triste pour Biden. Et pour c'est Biden qui a géré ça. Et Biden, c'est un mec qui a assez de bon commerce. C'est n'est qu'à prêcher unité, mais c'est lui-même qui a géré ça et vient joindre. Je pas qu'on souhaite toute image. C'est la distance qui a commencé à préparer pour investir sur Biden. Non, c'est un incroyable. Préparation que tu as faite pour 20 janvier. Préparation que tu as faite pour investir sur là. Donc, les manifestants ont attaqué, c'était ça et tout. Donc, c'était ça et tout. Et c'est pas un bagage qui.
comme dit, c'est oui. Juste inimaginable. Alors, et on monte qu'à toujours imaginer que Donald Trump a quelques petits problèmes, mais stade ça et pas grand monde qui t'a imaginé. Et d'ailleurs, et moi expression que le président a utilisé pour vice-président Paris, et m'a demandé est-ce que vice-président a content pour le chita et sous même d'ab manger avec le président. Alors Mike Pence est qui gagne le courage. Comme dit ça, dans le langage haïtien, les haïtiens du gagne le courage, ça veut dire le bagaille. Mike Pence est son qui gagne le pile courage, parce que même lui, même là, techniquement, président, et attaquer les tout et président Joe Mouchet, vice-président Mike Pence, t'es doué m'a dit recertifier résultat yo et donc il a fait président et d'ailleurs il dit lui-même, il va céder il va pas jamais reconnaître victoire Joe Biden non, et donc c'est tout langage ça yo qui a mis l'huile sous du feu, côté j'ai gagné un monde qui sont femmes qui blessées par balle devant Capitole là, alors on monde est toujours blessé mais blessé par balle devant Capitole là, que congrès a certifié résultat que collège électoral fin fait et tout le monde s'est rentré dans le bureau et gen Zamrale gen une image moi sous Getty Images qui a plagué côté Zamrale et c'est pas les États-Unis que nous connaît. Professeur Fernando, c'est un gros bail tout des pourtant des gardes nationales là tout déployé, il faut croire que c'est grave. C'est toute unité garde nationale qui déploie, toute unité garde nationale qui brise dans DC qui déploie. C'est-à-dire, et autorité, yo, et smell danger. C'est-à-dire, oui. Yo prend sens de danger, yo prend goût danger. C'est-à-dire, oui, mais j'ai l'impression, il n'y a pas smell seulement, non? Yo prend goût, parce que, ou imagine, autant qu'on se dit là, yo moun chita dans le bureau, et Nancy Pelosi. Pour arriver dans le bureau d'Nancy Pelosi, c'est pas de blanche pour montrer. C'est pas de blanche pour montrer. C'est mon tirage à IBC pour arriver dans le bureau d'Nancy Pelosi. Non, ça veut dire, même pour entrer en dans le congrès. Vraiment, créole, là, c'est que Nancy Pelosi m'a un bureau. C'est vrai, moi, ça. Donc, je suis obligé de courir avec Nancy Pelosi. Nancy Pelosi m'a un. C'est vrai, moi, ça. Oui. Donc, ça veut dire que, il y a des gens qui disent que le président Donald Trump, lui-même, il était capable de dire un mot, et puis fanatique, lui, t'a fait bac. Il a estimé que son silence complice, selon certains mondes. Alors, c'est probablement mon yo a bien raison pour dire ça, mais l'autre bagarre, c'est que le président Trump écrit. Président Trump écrit ce là. Et gagne un tweet, yo, c'est Mike Pence qui prend des vices et balles qui dégagent, yo, et puis l'autre tweet là, quand il a fait appel au calme, clairement, c'est pas ça le fait. Lady Mike Pence pas gain courage pour le faire soldat doit faire pour le protéger pays avec constitution pays pour le débailler l'état aux chances pour certifier et corriger situation ça il dit élection que fait là donc ça un bagage qui inaccurate son bagage qui frauduleuse donc ça que fait yo donc il accuse Mike Pence comme quoi Mike Pence pas gain courage et dans tweet il fait pour le montrer la calmer mounio il mande mounio pour mounio supporter et police qui gagne dans Capitole là law enforcement Capitole là faut mounio rester dans bon pays a rester peaceful donc président s'il te fait condamnation il te fait gros condamnation par exemple Mike Pence font condamnation de ça qui passé a techniquement président pas fait condamnation de ça qui passé a président dit mande mounio pour rester calme pas faire violence. Et puis il dit, songez, nous c'est parti, loin et hors de là, pour respecter la loi, le président n'a pas condamné rien dans ce qui passe là. Et bien, le président t'a incité, mon Yovini, président n'a pas condamné ce qui passe là. Oui, professeur Fernando, il y a un président élu, lui-même, il dit que ce qui passe là, c'est une sédition, et lui-même, il mandé pour mettre fin rapidement à ce qui passe là. Est-ce que c'est garde national la cap obligé d'utiliser les moyens forts? Bien que vous pouvez vraiment utiliser les moyens forts, alors, vous utilisez le gaz lacrymogène. Pour vous passer, il va oublier là, n'importe qui ici dans le gain là, ça fait que vous avez triste un peu pour Biden tout. Vous imaginez, son acteur pour Biden qui oblige à sortir là dans le moment pour le venir baler en raison de ça qu'a fait là, il faut mort. Et il y a quelques monde qui conservateurs qui même parlent de tentative coup d'État. Oui. Cela dit, c'est pour un petit bagage petit, ça qu'a fait là. Donc, je pense que c'est le pissage si on a résolu dans le calme. Parce que si il y a violence toujours, et la capitale. Parce que les gens qui devant la capitale, ils ne sont pas contre ça, mais aussi c'est Wi-Fi. Cela dit, c'est gros âme qui n'a pas de possibilité de faire des choses. En tout cas, lui-même, il dit, je parle de vice-président Biden, alors qui est président élu Kounia. Et il demande président Trump pour président Trump aller dans la télévision Kounia pour gérer
promesse qui t'est fait, engagement qu'il t'est prend, offre qu'il t'est prend pour le défendre la Constitution hein, et pour le mettre fin avec siège là. Parce que Biden parlait d'un siège qui vient devant Capitole là. Pabli, on se dit dans le commencement, d'Aptado, on dit son provision constitutionnelle. Cela dit, il faut le faire là. C'est oui. 6 janvier. Et c'est adorable. Dit. À une heure pile. Pile. C'est ça la Constitution a dit. Vous comprenez? Donc, c'est ça la Constitution a dit. Et Biden lui-même lui dit, dans le moment ça là, donc, démocratie noire a recevoir frappe. C'est-à-dire, ils sont frappés de manière, et qui va contre fait déjà, donc, qui est sans précédent. Donc, démocratie, États-Unis, hein, a recevoir frappe. Selon ça, Joe Biden fait qu'on est. En tout cas, heureusement, moi, j'ai deux mouns qui ont cherché à évacuer dans l'image, même gardé qui est en direct. Mais c'est pas joli, c'est pas du tout joli. Et oui, pour c'est... les États-Unis, pour la démocratie américaine, non? Alors, vous comprenez qu'on y a. Et le diplomate américain qui est à l'étranger, en Afrique, en Amérique latine, bral bay l'autre monde leçon. Et puis, il comprend ça, là, il ne doit pas dire l'uniforme, il a dit quelques petites phrases comme ça, oui. Il ne doit pas dire l'uniforme, il a dit quelques petites phrases. Ah, de où est-ce que tu es passé à la baye, l'autre compliqué. En tout cas, l'Instagram, qui est un proche allié de Malcolm, il parlait d'un embarrassement national, ça que fait là. Les îles supportées et manifestations pacifiques, mais pas bagaille qui vient violence, qui vient destruction là-dedans. Mon yo supposé quitter Capitole. Là, je parle d'une Instagram qui est sénateur et South Carolina, mon quoi. Alors, North Carolina et l'Instagram, donc qui m'a dit, donc, pour mon yo font gens, donc, pour yo baille, parce que ça que fait là, c'est vraiment ça. Président élu a voyé un message par président, le sitting président qui est actuel là. Il dit step up. Ça veut dire lever. C'est un coup sur ce dit là, lever campé. Oui, parce que non, mais ton pas capable de dire rien. Si vous n'avez pas demandé de manifester, autant courage de manifester. Si vous faites des autres, vous n'avez pas capable de dire rien. Et Pabli, il me dit, danger de la donne, c'est que les gens qui ont mis en main, on l'autre monde a venu pour venir mettre l'autre la donne. Ça dit, il y a la cache à vivre n'importe où. Ça dit, c'est pas ça que nous souhaitons. Mais ça que nous souhaitons toujours plus bon, c'est dialogue pour leaders et républicains. On m'a dit, on a la caillou, c'est ça que t'as plus bon. Parce que on m'a dit qu'on rifle l'amène, c'est pas un petit bagaille petit. Alors gouverneur Virginia lui-même déployé police, l'État, ça les state police là. Mm-hmm. Parce que on est police Capitole là, police pas lui, mais qui overwhelm qu'on dit mon Yodia qui ont dit. Dépassé par les événements. Ils ont couvert Yodia, ils ont envahi lui. Donc state police là est en déployé. Et toute unité garde nationale qui vient dans Washington DC autour même y a déployé tout donc pour espérer reprendre Amdou là mettez en respect reprendre tenue en respect et militaire t'as supposé rentrer la caillou mais de toute façon ça a prêté dans bilan président oui, malheureusement mais... ça a prêté dans bilan président et dans 50 ans dans 100 ans encore il y a parlé de l'incident ça a été arrivé au 6 janvier puisque pas oublier c'est mon pareil qui répète chaque jour donc dans 50 ans dans 100 ans il y a parlé de ça et c'est pas très 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 beau à voir. Merci professeur Fernando Estimé qui sont spécialistes dans sciences politiques et qui t'a fait nous le plaisir pour le avec nous. Fernando, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir partagé et me saluer tout auditeur, tout téléspectateur, La Voix de l'Amérique et programme Créolio en particulier. Bye bye. Merci. Quand nous événements ça a déroulé dans Washington DC, tant que professeur Sodil, événement triste, 24 heures après que dans Georgia, tu as gagné élection qui t'est déroulée et démocrates font gros pas en direction contrôle et Sénat. Et nous connaissons tout ça, retenu attention Jean-Robert Philippe, tout ça qui a passé dans Washington DC, Jean-Robert Philippe. Donc, dernière nouvelle, nous fait connaître que le président élu Joe Biden, qui t'a parlé depuis Wilmington dans Delaware, il dit que la démocratie américaine nan, en bas une attaque que n'a pas jamais et il demande le président Donald Trump pour aller dans la radio, prendre la parole pour yo camper, question pour assiéger, parce que les policiers y assiégé Capitol Hill là, et demande le président pour step up. Jean-Robert Philippe a dit nous plus lui-même bon côté parle depuis salle des nouvelles là qui considérait Georgia, ça qui passé Georgia, élection et sénatoriale deuxième tour et li font y pencher tout sur ça qui passé ici dans Washington DC. Contrôle Sénat américain toujours en jeu malgré démocrates ont porté une dans deux sièges qui était en discussion dans deuxième tour élection qui t'a déroulé dans l'État Georgie.
D'après projection, yo, pasteur Raphaël Warnock, un démocrate, remporté l'élection devant un rival républicain sortant, Kelly Loeffler, avec 50.6% contre 49.4% pour Rivalia. L'autre candidat démocrate là, John Ossoff, a mené dans contagieux devant un rival républicain sortant, David Perdue, dans une course qui est très serrée, côté personne pas qu'à prédit, qui est un des candidats qui a remporté le dernier siège là. Pasteur Warnock, qui a remporté l'élection avec plus de 40 000 voix devant un rival républicain lié à Kelly Loeffler, marqué l'histoire comme premier noir américain qui a représenté l'État Georgie dans le Sénat, dans un moment bulletin presque fin de compter. Si John Ossoff remporte le dernier siège là, démocrate a gagné, même quand il est sénateur avec républicain, soit 50 chaque côté. Donc, vice-président Kamala Harris a partagé le Sénat, laisse ça nécessaire. Dans le cas contraire, eh bien, républicain a contrôlé le Sénat. Pendant que Bilton a compté dans Georgie, le Congrès a réuni dans Washington pour confirmer président Elia Joe Biden comme vainqueur à l'élection. Une confirmation qui n'est pas facile, étant donné un groupe parlementaire républicain défie résultat élection dans une série d'États, tant qu'Arizona. Vice-président Mike Pence préside séance conjointe pour comptage bulletin collège électoral dans chaque État. Supporter président Trump a manifesté contre résultat élection depuis mardi soir dans Washington. Président Trump a pris la parole devant supporter Lio avant de mettre tête dans la direction Congrès. Pour lancer un message par vice-président Mike Pence, l'Ikwe de prendre une bonne décision pour aider le remporter l'élection. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. All he has to do. Président Trump déclare là, si Mike Pence prend une bonne décision, eh bien, n'a pas remporté l'élection. Tout ça qu'il pour le faire, d'abord, c'est protéger pays, protéger constitution. Ça qu'il pour le faire, c'est retourner pour servir Balio dans l'état côté t'es un problème pour y recertifier résultat. Comme ça, m'a vienne président encore pour me faire que nous content. L'idée américain insisté, il a remporté une victoire devant rival démocrate lié à Joe Biden. Donc c'est lui-même qui a remporté l'élection avec main levée. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's. L'idée américain dit, la, li pape balégué pour qu'on est là et li pape concédé défaite li dans l'élection. Pays a bouqué, nous bouqué, en six points de vol là. Concernant le processus de certification devant le Congrès, chaque fois que membre de l'Assemblée n'a pas d'accord avec votre État, et bien, le président du Sénat, l'Assemblée, Mike Pence, campé session conjointe après les fins de vérifier demande parlementaire. Sénateur avec député réunis séparément pour discuter et voter pour dire si oui ou non ils sont d'accord avec objection collègue. Chaque parlementaire capable de parler pendant 5 minutes pendant session séparée qui ne peut pas dépasser 2 heures en total. Si deux chambres n'ont pas d'accord, eh bien, c'est ensemble, ils continuent jusqu'à ce que vous comptez votre dernier État, qui c'est Wyoming. Après votre fin compté et objection fin résoudre, eh bien, le Congrès lui-même l'a confirmé, 46e président qui a prêté serment 20 janvier 2021. Depuis Washington, moi, c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci, Jean-Robert Philippe. Nous guettons Jean-Robert Philippe qui est souligné, qui a suivi la situation. Jean-Robert Philippe, t'as semblé que le président Donald Trump ait finalement parlé après que le président élu à Joe Biden depuis Wilmington dans Delaware, il a demandé que le président prenne la parole et pour demander pour camper le fait qu'il a assiégé, et ça c'est le mot président élu à Capitol Hill. Et Jean-Robert, qui s'organise comme nouveau développement? Donc, nouveau développement, c'était deux massacres qui fait. Et il m'a dit, et il dit exactement ça, je vous dis. Il dit, il est pour nous entrer. Il est pour nous à la caille. Nous avons besoin de la paix. Ça, oui. Il est le temps pour nous entrer à la caille. Nous suspendre le VKPA, suspendre sans régler. Il n'est pas régler pour nous entrer à la caille. Et c'est message ça depuis longtemps. Leader dans le Congrès, particulièrement président Sénat, Mitch McConnell, t'a demandé président pour prendre la parole. Plusieurs autres leaders dans le Congrès ont demandé pour prendre la parole dans le moment ça pour moi de vous entrer la caillou. Parce que c'est eux qui demandé encourager pour te dire à défendre votre nom, qu'on y a sous-parle avec eux, c'est à quoi que l'Italie est pour dans la caillou. Et c'est ça que le président a fait. Nous souhaitons que le président, que supporter lui, et bien, il attend des messages, Michel arrive, je viens, et bien, il est entré la caillou pour mettre fin. Non, ça n'a pas été. En fait, je parle tout le monde qui est ici, mais nous avons eu une sorte de levée campée. Côté Mounio, entré en dedans et Capitole là pour faire tout ça qu'on connaît. Alors, il y en a un côté que Jean-Fernando, ici, il a parlé tout à l'heure, là, pour te parler de bureau.
et président et speaker of the house là, et Nancy Pelosi, eh bien il y a eu un message pour les bureau là non capable que écrit avec une langue rouge pour dire nous pas fait back, nous pas fait back. Donc c'est l'allié et c'est ça qu'on est à suivre là, alors que pas oublier que nous en bas on couvre feu tout, t'as commencé à peu près dans moins de 3 heures de temps et c'est à 6 heures. Ça même et pas pour Jean-Aubert. Oui. Bon, monsieur n'a pas temps à la caille nous. Mais on dit pas pour nous mêmes. Il va pour nous parce que c'est deux exceptions seulement qui fait dans le couvre-feu. C'est pour travailler la presse, donc journaliste, tout travailler la presse avec personnel de la santé et tout. Il y a exempt. Bon, moi, je demande au groupe d'identité pour identifier tout dans le moment ça. Jean-Bert Philippe, vous avez couvert longtemps l'actualité politique et même électorale des États-Unis. Est-ce que vous avez un bagage comme ça? Bon, c'est pas. Qu'on n'ait pas de ça sur Washington, mais. Rivé dans position côté que il attaquait congrès qui sont lieux sacrés, c'est mon bail mon jambe. Donc non seulement sacré qui sécurise tout, c'est mon bail mon jambe. Moi c'est parce que moi même dans génération pas dans depuis moi ici là que nos jambes on bail comme ça fait, mais c'était à prévoir parce que c'est des bagages que qui étaient déjà annoncés. Parce que dans même message un truc que président Donald Trump fait pour il était et supporter le n'a rencontré le 6 janvier. Donc, si il y a des signes, sinon qu'il y a un média qui même dit que est-ce que les dirigeants ont été réfléchis à ça, peut être préparé, parce que ça passe une dépassé par événement est tellement vrai parce que c'est habituel qu'il y a une manifestation à Washington. Toutefois, il y a un grand événement, il y a une manifestation à Washington. Mais qu'on y a là, c'est le problème qui se pose, qu'on y a c'est dépassé, parce que les polices capitales n'ont pas assez. Ou bien encore, garde nationale Washington DC a qui déploie tout entier, tout là dehors, il n'y a pas capable, parce qu'il faut la dépasser. Il est obligé de demander concours, que ce soit ces États qui plus près, comme Virginie, avec l'État américain, qui normalement voit concours venir, viennent pour décoller pour un qui mesure, capable de calmer et sauver ce qui est sauver. Mais jusqu'à présent, la question qui était pendant, c'est en cité Campéa, l'Orient sur Arizona, c'est en ça qui est Campéa, qui la science apprend et ça pral, qui a effet, ça va bien sous respect qui doit gagner en date constitutionnelle, au côté que le 6 janvier, ça t'est de fait, je t'ai dit normalement, et 7 prochain président rapidement, est-ce que la fête après séance là, est-ce qu'elle pas fait toujours, même côté à toujours, ou bien est-ce que qu'a choisi l'autre côté pour la fête, mais en général, c'est toujours dans le congrès à la fête, c'est lieu sacré, c'est l'alté de fête, et c'est question ça tout le monde a posé. En attendant, et tout personnel, vice-président, et Mike Pence, qui est président à l'Assemblée nationale là, dans le moment là, et bien tout le monde. En sécurité, déplacer qui des zones honnêtes. On y a assez, en pile dégâts qui fait tout en dedans. En pile dégâts, monsieur, casé fenêtre, casé bail, il y a occupé tout bas de gros paquets de réparations qui pourra le faire qu'on y a là. Oui. En avant, pour qu'on ait, est-ce que science va continuer, ou bien qui va science va continuer? Est-ce qu'il y a une provision dans la constitution là, qui prévoit, les on va à constater à passer, qui va pour la fête, qui va pour le faire? Et Jean-Aubert, et Fondito, d'après quelques nouvelles, il a semblé que y a des gens qui sont blessés. Bon, c'est qui. Oui, nous avons qu'il y a plusieurs blessés. Il y a des policiers qui sont blessés, qui ont été transportés à l'hôpital, mais pas bon chiffre officiellement qui base sous quantité. Mais en plus de dames qui recevront balle, qui devant capitale recevront balle, ça son fille. Mais il y a des policiers tout, qui sont blessés tout, mais il n'y a pas dit qui type de blessure que les policiers Sahara, encore une fois, Sahara, recevront. Pendant les chiffres rapides qui étaient gagnés entre policiers avec manifestants, qui étaient ici, dans le moment où ils étaient qu'à quoi manifestants pour empêcher et envahir le building. C'est ça qu'ils ont fait malgré tout, ils ont rentré quand même en dedans. Donc merci Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe, depuis Salle des Nouvelles, à suivre la situation pour nous, qui a déroulé dans Washington DC, puis précisément aux alentours du Congrès américain, parce que aujourd'hui, c'était un rendez-vous constitutionnel côté que. Et Congrès, avec les deux chambres réunies, tu as certifié vote que collège électoral a te prend le 14 décembre 2020 pour dire que c'est ancien vice-président Joe Biden avec sénatrice Kamala Harris qui remportait l'élection présidentielle 3 novembre. Et c'est dans ce moment ça tout que président Donald Trump qui te baille rendez-vous jeudi, et bien, partisan lui te prend la rue et lui te entré en dans Congrès. Garde nationale déployée, même Virginia voye moun, et qu'on y a là, il y a deux présidents qui finent parler. Premièrement, président élu à Joe Biden, qui parlait, qui mandait que président Donald Trump pour aller dans la radio ou bien parler pour dire moun yo suspend sa kap fèt là parce que yo assiégé
Congrès et le président élu a dit que c'est un mauvais bagage pour la démocratie. Et effectivement, le président Donald Trump saute par là. Il dit « It's time to go home ». Merci parce qu'on t'a suivi avec attention très journal ça. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci pour commentaire. Merci de ce qu'on partage. Merci parce qu'on like. Merci tout parce qu'on fait nous confiance pour nous informer ou chaque jour. Non pas, c'est Foucault. Moi, remets nous en pile. Bonjour, bonsoir tout le monde. M'a quitté nous en bras, papa, bonjour. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.